Ça sent mauvais dans tes placards, alors utilise cette plante qui est l'aspérule odorante, regarde. Elle a des feuilles qui poussent en verticille. Quand je dis en verticille, ça veut dire tout autour de la tige. Tu vois? Par étage. Elle va avoir entre 6 et 8 folioles. Les folioles, je te rappelle que c'est ceci. Tu vois, chaque feuille. Elle va avoir des fleurs à 4 pétales qui sont très petites. Si tu es une loupe de botaniste, n'hésite pas. Ou même si tu as une loupe qui n'est pas de botaniste, une bête loupe, ça marche aussi. Ici, c'est déjà un petit peu trop tard. Elles sont presque fanées. Donc, je ne la consommerai pas. On peut la consommer du moment où il n'y a pas justement les fleurs sorties. Ici, je ne la consommerai pas. Elle a une tige qui est carrée. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Elle a une tige qui est totalement carrée. Voilà. Et là, à l'état frais, elle ne sent absolument rien du tout. Par contre, si tu la fais sécher, elle va libérer de la coumarine. Ça va sentir très très bon. Alors, pour mettre dans ton placard, simplement, tu en fais un bon bouquet, tu la laisses pendre et ça va sentir plusieurs années. Crois-moi, ça marche. Je le fais. Aussi, on peut en faire des boissons. Je ne sais pas si tu connais le métrangue. C'est du vin blanc mélangé justement avec les somnités fleuries ici. Et ça fait une boisson alcoolisée. Par contre, il faudra faire attention parce qu'avec cette boisson alcoolisée, il ne faut pas que ça moisisse. Si ça moisit, ça va faire un antivitamine K. En fait, qui est dangereux parce qu'avec cet antivitamine K, on fait en fait de la morora. Donc, faut bien se rendre compte de ce qu'on fait. Il ne faudra pas en abuser. Et pareil, pour cette plante, il ne faut pas en abuser simplement parce que ça risque de vous donner des maux de tête et des problèmes digestifs. Mais si on n'en abuse pas, il n'y a aucun problème. C'est comme avec tout, avec modération. Voilà. Et ça, c'est la spirule odorante. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis ciao ciao.